Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais adresser un message très fort, très haut à nos chers papas, président papa Baba Tchani. Cher papa Baba Tchani, franchement, nous, le peuple nigérien, que ce soit les commerçants, que ce soit les transporteurs, que ce soit la population du Niger, Baba Tchani, aujourd'hui, franchement, l'heure est grave, Baba Tchani, pour nous tous. L'heure est vraiment grave. On souffre, Baba Tchani. Et la souffrance là, Baba Tchani, si tu peux sortir dans la rue de Niamey, de Maradi, de Agadez, de Tawa, et voir comment la population, ta propre population souffre, Baba Tchani, tu vas avoir vraiment pitié de nous, Baba Tchani. Surtout nous les commerçants, ça ne va pas pour nous. Si on va aller acheter et contourner de Lomé, rentrer maintenant par Sekansi ou bien par derrière Togo pour rentrer au Niger, Baba Tchani, ça ne va pas. Des fois, on a peur des djihadistes. On a peur même des mines. Il faut contrôler les mines avant que nos marchandises vont passer d'abord. Baba Tchani, tout ça là, c'est dur pour nous. On ne peut pas parler, mais c'est dur. Et aujourd'hui, on est déjà 11e mois, Baba. Baba, on est déjà 11e mois, bientôt un an que les frontières sont fermées. Le président, lui, notre voisin, lui, il a compris beaucoup. Il a compris déjà. Il a compris depuis qu'il a ouvert son frontière. Mais nous, Baba Tchani, toi qui es pour nous, nous on est les Nigériens, toi tu es notre papa. Tu continues toujours de faire la tête, Baba. Pardon à cause de Dieu. Pardon, tu es musulman. Tu es Ibn Adam, Baba. Il faut voir à cause de nous, à cause de tes enfants. Il faut ouvrir frontière. Il faut ouvrir frontière. Malgré que le oignon, notre oignon ne passe pas. Mais eux, ils laissent toujours leur maïs rentrer chez nous, Baba. Ils laissent toujours. Et il faut aller aux frontières voir. Tous nos militaires, nos pas sacs de maïs, nos militaires prennent 1000 francs, 2000 sur les sacs de maïs. Baba, 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 il faut penser à nous. Il faut penser à notre peuple. On a aussi les enfants encore qui sont au Bénin. On a aussi nos papas encore, nos mamans qui sont au Bénin, qui vivent encore au Bénin. Comme ici au Niger. On est des frères. On est des frères et sœurs, Baba. Baba. Tu es un musulman. Tu n'es pas un kafri. Tu es un musulman. Tu es un Ibn Adam. Il faut réfléchir, Baba. Il faut voir. À cause de la situation aujourd'hui, ça se dégrade. Ça se dégrade. Ça se dégrade, Baba. Ça se dégrade. Et ça va de mal en pire, Baba. Il faut penser aussi à nous. Il faut penser à nos enfants. Il faut penser à nos femmes. Pour ouvrir les frontières, Baba. À cause de Dieu, on te demande, nous les commerçants, nous les fils du Niger, on te demande le pardon, pardon encore, on te demande à cause de Dieu, à cause d'Allah, subhanahu wa ta'ala, faut ouvrir les frontières pour que les choses continuent et redeviennent comme avant. Le Bénin et nous, on est des frères, on va toujours rester des frères. Il n'y aura jamais quelque chose qui va passer, qui va nous diviser, Baba. Il faut réfléchir, il faut voir ton gouvernement, il faut voir les grands, il faut écouter aussi les gens, il faut écouter Baba, il faut sortir dans la rue et regarder tes enfants, comment on souffre Baba. À cause de Dieu, on ne peut rien te demander, on va te demander pardon. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse le Niger, que Dieu bénisse le Niger, que Dieu bénisse tous les enfants du Niger Baba Tchani. Que Dieu te bénisse.